magazine qui commence en 2015 et qui finit en 2016, ici avec les moniteurs d'Oron qui font le Crazy Sign. Nous sommes le 31 décembre dans les stations du Mercantour, ici un spectacle de feu sur la place. Beaucoup de monde à Oron pendant les vacances scolaires, surtout la deuxième semaine. Là, c'est le marché de Noël qui était la première semaine à Saint-Étienne-de-Tinée et qui est monté à Oron. L'office du tourisme qui offre à boire sur la place. Ici, on peut voir qu'il y a Madame le maire et ses adjoints. Le brouillard tombe sur la station, on envoie donc le feu d'artifice un petit peu en haut. Après le feu d'artifice, on va lâcher des sky lanternes dans le ciel, une centaine, des sortes de mini montgolfières. Allez, si vous êtes prêts, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti.
également aux moniteurs de l'école de ski français de nous avoir rejoints sur la patinoire et nous avoir fait. Flo, tu veux faire un ambiant ? Tu veux faire un ambiant ? Ça marche pas. Spectacle féerique de voir ces innombrables lanternes montées vers le ciel. Changement de station, nous sommes à Isola 2000 et évidemment on fête aussi la fin de l'année. Est-ce que vous avez trouvé ? J'ai l'impression qu'ils sont en train de dire le roi Lion. On vérifie ? Effectivement, c'était le roi Lion ! La descente au flambeau des moniteurs de l'ESF. Suivi d'une chamallow partie, on fait griller des chamallows. Qui sont offerts. Et tout à l'heure à 19h, il y aura le spectacle juste derrière vous au niveau du bisounet. Allez, le pot offert par l'Office du Tourisme, les Sky Lanternes, profitez-en évidemment pour faire des photos, pour faire des vœux, pour faire des câlins aux proches. Spectacle magnifique aussi dans le ciel d'Isola 2000. Puis un spectacle, la féerie des glaces.
Et enfin, c'est l'heure du feu d'artifice et vous allez voir qu'on va innover puisqu'on va avoir deux caméras qui vont le filmer, dont une dans le ciel. C'est parti, on décolle.
Cette fois, nous sommes en 2016, 1er janvier, et l'Office du tourisme va offrir des huîtres et du champagne comme tous les 1er janvier. Ici Momo à l'œuvre. Mon petit Momo. Eh bien écoute, pour la deuxième fois, je fais des huîtres, donc c'est pas du tout évident. C'est là qu'on se rend compte que... Bon, on veut un coup de barre, je vais en amener en bas, tu vas me faire les ouvrir après le reste en bas. Tu vois, et il y en a, et quand j'y arrive pas comme ça, je la jette, et j'en prends une autre. Tu vas pouvoir te lancer dans la restauration. Mais tu es tonton. T'as pas le cul là. Il est presque midi devant l'ESF et l'arrivée de la télécabine du Pelbos. Bonne année 2016, plein de bonnes choses, prospérité, santé bien entendu pour vous et vos proches. Et nous vous invitons à venir déguster une huître avec une petite coupe afin de fêter cette nouvelle année tous ensemble, ici même sur le front de neige devant l'école du ski. Merci beaucoup. Un petit moment, une seule ? Une seule ? Une, je ne sais pas, pour voir deux, c'est fini. Merci. What's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about Moped. He said, I got the one for you. Follow me. It's too real. Calm down, man. I don't need a windshield. But then I see, I can't be on the wheel. I buy a tight place, throwing fish to a hole. Bonne année. Meilleur que l'année dernière. Running around the whole town. Neighbors yelling at me like, you need to slow down. Go. Voilà, c'était donc le 1er janvier. Un petit peu plus tard, il s'est mis à neiger. Et donc, cadeau de la nouvelle année. Voilà le décor qui a changé. Et c'était bienvenu, évidemment. Le 9 et 10 janvier 2016 aura lieu à Isola 2000, comme tous les ans, le trophée Andros. Ici, vous pouvez voir les images de l'année dernière. Le trophée, ce sont plusieurs compétitions dans une. Il y a ici, par exemple, le trophée Andros féminin. Là, c'est le trophée Andros électrique avec Christophe Ferrier, qui l'a déjà gagné trois fois et qui est d'Isola 2000. Directement dans quatre courses, c'est les essais chrono, la plus vite. Voilà, et donc un tour de reconnaissance, et ensuite quatre tours donc pour cette séance d'essais chrono. Il est régulier, mais un petit peu en retrait quand même. Pour la... Christophe. Oui. Alors, cette année, c'est pas l'ambiance cotillon. Hein. Non, c'est mauvaise année, mauvais début de saison, et là on vient de faire les premiers roulages à ISO et ça se passe pas bien non plus. Val Thorens, je suis pas trop d'excuses à avoir, j'ai mal roulé, j'ai fait beaucoup d'erreurs, donc du coup ben, on fait un résultat qui n'est pas correct. Mais bon, là je peux m'en prendre qu'à moi-même. Par contre, depuis l'Alpe d'Huez, depuis Andorre, j'ai une voiture inconduisible qui s'ouvre et qui est vraiment dure à piloter. Et je me l'explique pas, j'ai beau demander à ce qu'on m'aide la voiture, ça veut pas le faire. Donc, c'est comme ça. Bon, alors est-ce que ça vient du manque de neige ou alors tu vieillis ou c'est la gadoue, la bagnole. Vieillir d'une manière ou d'une autre, tu vieillis, ça c'est sûr. Oui, mais on peut se bonifier. Après, c'est vrai que sur le goudron, je suis un peu moins incisif que sur la glace. Ouais. Sur la glace, je roule vraiment bien, je sais que je suis un cran au-dessus, tu vois. Mais là, même sur la glace, ça va pas. Donc, c'est compliqué. Là. C'est pas une saison évidente. Mais bon, on va rien lâcher, on va essayer de tout donner quand même. Hein. Voilà, exactement. Et puis il y a le retour d'Adrien Tambay aussi. Alors, Et Adrien qui roule et qui est grave dans le coup.
Non, mais c'est sympa, on est trois jeunes de la région à rouler. Il y a moi, il y a Lucas Mini et Adrien Tambay, donc c'est bon, non, on se lève. Voilà, et puis faut pas désespérer, hein, rien n'est joué. Non, quoi. C'est ce que je dis, c'est pour ça que je vais rien lâcher et que je vais continuer à attaquer quand même, hein, en espérant que ça devienne un peu positif, parce que jusqu'à maintenant, c'est pas évident. Bon, allez, on croise les doigts et... Là, il faut les croiser, hein. Forte. Petite photo des trois pilotes azuréens, Ferrier, Camini, Tambay. Là, nous sommes en caméra embarquée dans la voiture de Christophe Ferrier pendant ses qualifications. La voiture électrique de la métropole niçoise. Malheureusement, la saison dernière, Christophe n'a fini que sixième au général à la fin du trophée Andros électrique. Mais rassurez-vous, cette année, il arrive à Isola 2000 avec une deuxième place au classement. Il est bien mieux parti. J'allais dire que le courant est passé tout de suite et pour moi ça fait un grand honneur, c'est un fantastique et puis là, c'est un grand honneur, la classe, on peut dire. Je crois qu'il a bien lâché le gamin, il fallait tenir le volant. Hein. Ouais. Ça, c'est que clair. Des bons souvenirs avec la vie tombée, ça c'est sûr. Alors maintenant, Christophe Ferrier, l'énigme Ferrier à domicile. Il le sait, Christophe, il faut absolument renverser la tendance. On va pas dire la vapeur parce qu'on est dans l'électrique. La tendance. Pour le trophée Andros thermique, en tête, c'est Jean-Baptiste Dubourg cette année devant Franck Lagorce et Benjamin Rivière. Rendez-vous les 8 et 9 janvier à Isola 2000.